Bonjour, indiquez les noms des objets utilisés dans un réseau informatique. Indiquez ou bien donner ou bien nommer. Il s'agit ici de reconnaître des objets utilisés dans un réseau informatique, soit pour le mettre en place, soit pour le réparer ou bien le maintenir, ou bien tout simplement cet objet à une relation avec un réseau informatique. Donc on vous donne l'image et c'est à vous de répondre par le nom de l'objet qui est dans l'image. La question est donc la suivante. On vous donne une figure où il y a quatre objets utilisés dans un réseau informatique. Les quatre objets que vous voyez devant vous, A, B, C, D. Et on vous demande la question, indiquer les noms des objets représentés dans la figure suivante. Et c'est sur deux points. Donc, c'est simple. Vous écrivez grand A, deux points. Et devant ce grand A, par exemple A, le nom de l'objet. Donc, premier objet A, la réponse est testeur de câble. C'est un appareil utilisé pour tester si un câble réseau paire torsadée avec connecteur RJ45 est bon ou non. Est-ce qu'il est déchiré? Est-ce qu'il permet de faire circuler le signal électrique? Donc, grand A, réponse testeur de câble. Deuxième objet, grand B, c'est le pince à sertir. C'est un pince qui permet de coller le connecteur RJ45 à un câble à paire torsadée dans un réseau informatique, bien sûr, un réseau local en LAN. Donc cette pince est utilisée pour réparer les têtes de câbles réseau. Grand C, c'est quoi cet appareil qui a 5 ports? Bien sûr, il suffit de répondre que c'est un commutateur. Soit il est un switch ou bien il est un hub. Donc ici, si vous êtes sûr que c'est un hub, vous pouvez répondre par hub. Et si vous êtes sûr que c'est un switch, vous pouvez répondre que c'est un switch. Mais le mot qui regroupe les deux appareils, c'est commutateur. Et bien sûr, il y a une différence entre un switch et un hub. Et vous savez tous cette différence. Le hub, il diffuse le signal à tous les ordinateurs et les appareils connectés. Le switch, il fait diriger le signal ou bien les données transportées directement vers leur destinataire, c'est-à-dire vers le poste de travail destinataire ou bien l'imprimante ou bien un autre switch, un routeur, etc. Quatrième objet, grand D, la tête d'un câble informatique. Il s'agit des câbles paire torsadée à connecteur RJ45. Donc, la réponse correcte est connecteur RJ45. Voilà pour la réponse à cette question très simple. Il suffit de connaître les objets utilisés dans un réseau pour répondre à cette question. On passe tout de suite à une question. Je vais vous donner la même question. Je vais vous donner quatre objets, mais ils sont différents de ces quatre objets. Et c'est à vous de dire le nom de ces objets, et pardon pour la prononciation. Voilà donc ma question pour cette séance. Donnez les noms des objets suivants, grand A, grand B, grand C, grand D. Ce sont tous des objets qui sont relatifs ou bien qui concernent un réseau
informatique. Voilà donc pour cette séance. Je vous souhaite succès et prospérité. Excellente journée. N'oubliez pas d'encourager cette chaîne par vos likes, vos commentaires, vos partages à d'autres collègues qui peuvent être intéressés par ce contenu et aussi, pourquoi pas, vous abonner à cette chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes nouvelles vidéos, toutes nouvelles notifications. Merci encore infiniment, excellente journée et à bientôt.